Jean-Loup et Sophie au bord de la rivière. Sophie, que fais-tu ainsi la tête en bas? Demande Jean-Loup. Je regarde les reflets du soleil et les ombres de la rivière. D'ici, je te vois comme dans un miroir. Cela doit être amusant, tu sais. Il y a des tas de choses curieuses à découvrir au bord de l'eau. Partout dans le monde, il y a des rivières calmes ou agitées. Chacune porte un nom. Chaque cours d'eau qui est d'abord une source est différent des autres. Celui-là sculpte d'étranges statues, comme celle du Brice, Canyon aux États-Unis. Un autre creuse des gorges profondes, comme celle du Verdon, dans le Midi. Certains rebondissent de cascade en cascade et font un bruit de tonnerre. J'aimerais voir toutes ces belles choses, dit Sophie. Mais j'y pense. Et les oiseaux? Quoi les oiseaux? Demande Jean-Loup. Eh bien, oui, dit Sophie. Les cascades, cela fait du bruit. Et on dit que les oiseaux ont peur du bruit. Le Brice, Canyon. Les gorges du Verdon. Mais pas du tout, dit Jean-Loup. Certains oiseaux, comme le simple plongeur, aiment à chanter au bord des eaux tumultueuses. Et ils n'ont pas peur, s'étonne Sophie. Pas le moins du monde, affirme Jean-Loup. Parfois même le simple plongeur construit son nid sous une cascade. Souvent, il a pour voisine la bergère honnête, des ruisseaux si légères, si gracieuses, qu'en Italie on la surnomme la ballerina. Mais comme elle remue sans cesse sa longue queue, nous l'appelons Hochequeue. Mais dis-moi, Jean-Loup, les oiseaux taureaux, que mangent-ils? Demande Sophie, toujours curieuse. Des petites écrevisses aux mares d'eau douce, des larves d'insectes, appelées frigane, et des œufs de poisson, répond Jean-Loup. Des poissons, s'étonne Sophie. Comment un poisson peut-il vivre dans une eau si agitée? Cette eau convient parfaitement aux poissons comme la truite et à certains crustacés comme l'écrevisse. La larve de frigane, qui ne possède pas comme l'écrevisse une carapace naturelle, se protège en construisant autour d'elle une sorte d'étui formé de grains de sable, de menus
coquillages ou de brindilles. Un moulin à eau, comme il est beau, il doit être très très vieux, dit Sophie. Il abrite pourtant une jeune locataire. Joue blanche, bavette noire, c'est la bergeronnette grise. Mais nous nous sommes perdus, dit Sophie l'air effrayée. Regarde là-bas. Des mouettes. Oui, je vois, ce sont des mouettes rieuses, dit Jean-Loup. Je les trouve bien jolies avec leurs petits capuchons. Tu ne comprends donc rien, reprend Sophie. Rien de rien. S'il y a des mouettes, c'est que tu as ramé trop loin. Nous approchons de la mer. Tu t'alarmes pour rien, dit Jean-Loup. Depuis longtemps, les mouettes rieuses ont pris l'habitude de remonter nos rivières. Ouf, j'ai eu peur, dit Sophie. Sur son nid flottant, radeau de plantes, aquatique amarré au roseau, voici le grèbe huppé. Bili bili bili, paille les petits. Cela veut dire, dis maman, tu nous emmènes faire une promenade. Regarde, dit Sophie, une bête tout en jambes qui glisse en zigzagant sur l'eau. On dirait un petit patineur. Cet insecte est un géris, dit Jean-Loup. Et celui-là qui tourne, tourne sans cesse. On l'appelle girin ou tourniquet. Là-bas, une libellule, s'écrie fièrement Sophie. Sous les dalles rondes, des nénuphars. Maman, demoiselle, dépose ses œufs. Papa la grippe par le cou, prêt à l'emporter à la moindre alerte. L'œuf de la charmante libellule donne naissance à une vilaine nymphe, dit Jean-Loup. Celle-ci possède une curieuse lèvre inférieure, très longue, et qui se replie sous la tête. Qu'une proie vienne à passer, hop, la lèvre se détend comme un ressort et la saisit. C'est affreux, dit Sophie. Après 2 ans, la nymphe sort de l'eau, se sèche au soleil, sa peau craque et il en sort une ravissante libellule. L'insecte aquatique, le plus féroce, c'est le ditique, avec ses mâchoires puissantes. Il attaque les nymphes de libellule, les petits poissons et même les grenouilles. Voici sa larve. Et voilà 2 punaises d'eau, la corisse, le notonecte. Elles se ressemblent, mais le notonecte peut marcher à l'envers sous la surface de l'eau,
comme une mouche au plafond. J'aimerais nager sous l'eau, dit Jean-Loup, voir la jolie truite mouchetée, la carpe avec ses barbillons de chaque côté de la bouche, la perche dorée et le roi des poissons d'eau. Douce, le vorace brochet, ses redoutables mâchoires comptent pas moins de 700 dents. Oh, regarde, un martin pêcheur, il scrute le fond de la rivière. Passant bouchon, hop, l'oiseau plonge, rapide comme l'éclair. Une patte raide posée au fond de l'eau, l'autre repliée sous le ventre, le dos rond, le regard attentif, le héros cendré est aux aguets, une brusque détente du cou, un rapide coup de bec, un poisson est harponné, l'oiseau le lance en l'air, le rattrape au vol et le broie entre les tenailles cornées de ses mâchoires. J'ai déjà entendu parler, dit Sophie, de ce héros au long bec, emmanché d'un long cou. C'est le plus bel oiseau de la rivière. Dans le midi, répond Jean-Loup, qui connaît décidément beaucoup de choses. Il existe un oiseau au plumage si riche et chatoyant qu'on le surnomme oiseau arc-en-ciel. Cet oiseau, c'est le guêpier. C'est drôle la loutre avec ses grosses moustaches, dit Sophie. Elle s'abrite dans les terriers, les arbres creux, des bords de l'eau, ses pieds palmés, sa large queue, en font un champignon des sports aquatiques et de la pêche. Aussi le poisson est-il sa nourriture préférée, poursuit Jean-Loup. La loutre aime jouer, elle apprend très tôt à ses petits le jeu de la glissade en se servant d'un talus ou de la berge. Comme d'un toboggan, grande voyageuse, elle se déplace, surtout la nuit. Peut-on imaginer un nid plus douillet que celui de la petite mésange Penduline? Non, bien sûr, dit Sophie, pleine d'admiration.
Mais le soir commence à tomber. Il est temps de rentrer à la maison. Quel dommage! Ne sois pas triste, répond Jean-Loup. Nous reviendrons bientôt.